Bonjour et bienvenue, vous êtes en direct sur Twitch, pour ceux qui sont sur Twitch, et sur YouTube, pour ceux qui sont sur YouTube. Au sommaire de ce soir, il y a les bons gens et pas l'inverse. On va vous parler des gens qui nous financent. Je vais vous parler des prochaines sorties qui arrivent, et il y en a qui arrivent, il y en a au moins 3. Je vais vous parler de qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'on fait dans l'ombre. Les bonnes nouvelles, on a une bonne nouvelle. Et ça c'est cool, un truc que je vais pouvoir dire et que personne n'est au courant. Et puis on se fait un petit point, agenda, où est-ce qu'on se voit prochainement. Voilà, c'est l'actu, moi, et je suis Tokusha. Non, je suis Richoute, bonjour. Et c'est moi qui vais faire ce stream. Bonsoir YouTube, allez, on y va. On y va, on lance les bons gens. Alors, pour les bons gens, cette fois-ci, on a Eusmik Shoki qui est nouveau, Ekaterina, Nina, Metentis, Nicolas S, Cactus Libidinium, Meringue à l'Orange, Mr. Badger, Sajiro, Highway, Calwin, Purple Peignoir, Monololo, Zenigata, Yoti, Lucas D, Laurent Dusset, Thomas J, JPPJ, Yoann Laurent, Kokiria, Blazel, Tech Intern, Harry Lowen, Sinkyo, THD, ACI, Coralie, Grémy, Nana, Jeff, Alissa, Benjamin Baudu, Mélina, Cécilux, Gridet, Dugo Elan, Gary, Elia, Evlad, Emilia Mazé, Yuri Charbonnet, Myron, Yarn, Léo Whiteletter, Gandalf, Fritz Schultz, Stan Legris, Lérian, Orchidé, Choucro, Thomael, Jean-Marie Poincelet, Herminique Billan, Lindex, Elana, Steletsu, hop là, je vous décale. Steletsu, Miskami, Yuki, Anya Kristen, Doc Knapp, Guillaume Capoué, Gigit, Arthur, Milkior, Melectric, Lord Purple Peignoir, Goose37FR, Dafmod, Gaxun, Marie Holmes, Elmorel, Clémence C et Socoline, merci à vous, c'est grâce à vous que Javras peut vivre et qu'on continue à faire ce qu'on fait. Merci beaucoup. On continue avec les prochaines sorties. Merci beaucoup les gens, c'est grâce à vous. On continue avec les prochaines sorties, c'est parti. Alors dans les prochaines sorties, qu'est-ce que nous avons prochainement sortira sur Tipeee et Patreon, normalement la semaine prochaine, la quatrième partie de À Tour de Rôle Horreur. Alors faites pas attention à la pochette, mais vous aurez la quatrième partie qui... On est sur des parties plus longues, avant c'était du 20-30 minutes, maintenant on est sur du 40 minutes, 1 heure. Ça pique et je voulais sortir au moins un épisode par semaine et c'est très compliqué, donc voilà, mais ça sort. Nous aurons aussi prochainement, juste après, genre fin de semaine prochaine, l'épisode 2 de La Mémoire Arrangée qu'on a joué et qu'on a enregistré avec Jeanne Chartier. Et c'était trop cool. Et normalement, en fin de mois, vous aurez aussi sur Tipeee et Patreon l'inspecteur des facs de Mindroll et Yananas, le pilote avant la vraie série. Voilà. J'en profite pour enlever. Voilà. C'est un petit peu les choses qui vont arriver ce mois-ci. Donc merci beaucoup à ceux qui nous financent, qui vont recevoir ça en avant-première. On va continuer avec Quad News. J'ai pas la musique. Vous avez la musique? Moi j'ai pas la musique. Ah, attendez. Non. On va faire les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles. Sachez que en fait j'ai eu un appel aujourd'hui et lundi à 18h sur Radio G, il y a une interview de moi et potentiellement quelqu'un qui m'accompagnera, je sais pas encore qui, sur Radio G pour présenter La Mémoire Arrangée sur notre radio locale Radio G. Voilà, c'est super cool, j'ai lancé une perche, ils ont répondu et puis c'est cool d'être dans une autre émission, voilà. Et en vrai, si Lex, tu veux m'accompagner, c'est lundi à midi, donc voilà. Ça serait cool. Ce qui est cool avec les bonnes nouvelles, c'est que ça me fait un petit temps de... Hey, on se relâche, on est bien, on est tranquille. Vous êtes beaucoup. Vous êtes 11, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On continue avec Quoi de News. Dans Quoi de News, pour le coup, vous le savez peut-être pas, j'espère que vous le savez, mais on sera aux Utopiales à Nantes le 31, 1 et 2 et 3 novembre, en sachant que tous ces jours-là, vous pouvez jouer au JDR La Mémoire Arrangée que je vais
me jeter pour vous. Et le samedi, il y a une conférence avec Keiji, et le dimanche, il y a un épisode de la mémoire. Donc venez nous voir, ça serait hyper cool. Dans les autres trucs, vous avez peut-être vu sur le Discord qu'il y a un recrutement pour l'inspecteur des facs de Mindroll et Yananas, c'est-à-dire que effectivement le pilote va sortir, mais la vraie série va commencer et on a des rôles qui sont pour vous. Alors n'hésitez pas à répondre encore à ce recrutement, c'est maintenant qu'il faut répondre. Donc n'hésitez pas à venir sur le Discord, c'est javras.fr/discord. Et un petit truc aussi en plus, Mindroll et Yananas sont en train de ressusciter la série MP3 Javras et ils sont en train d'écrire un mono dans la série MP3 Javras. Donc non, il n'y aura plus Erika, donc non, il n'y aura plus Crazy, mais on ressuscite. Voilà. On continue ? On continue. Allez, c'est parti pour l'agenda. Alors dans l'agenda, comme on disait, qu'est-ce qu'on a tout en bas de la page ? Parce que je vous rappelle, tout est indiqué. Les Utopiales, la mémoire rangée, le 3 à 17h30, il y aura moi, Mel, qui sera là en tant que spectatrice, Waza, Dan Bergen et Thorak, et on sera avec Chat et Arbassin pour l'épisode 3. Si vous n'avez pas écouté l'épisode 2, ce n'est pas grave, parce qu'en fait, l'épisode 3, je vous spoil, il se passe en même temps que l'épisode 2. Donc ce n'est pas grave, si vous n'avez pas entendu l'épisode 2, ayez au moins écouté les hors-saisons et l'épisode 1, et vous serez à jour. Voilà. Et deux semaines après, on sera à Art to Play à Nantes. Normalement, il y a moi, Mel, et j'ai plus trop la liste, mais on est plusieurs. Voilà, je vous redirai ça la prochaine fois. Ah, il y a Alex et Manuel qui ont lâché. Le nom du mono Java s'appelle le PowerPoint, effectivement. Tu seras où, Kokiaya ? Tu seras aux Utopiales ou tu seras à Art to Play ? Art to Play, ok. Ok, et eh ben voilà, c'est la fin de cette actu. Merci beaucoup, merci, c'est maintenant qu'il faut y revoir les gens. On se retrouve mardi dans deux semaines, à savoir le mardi 29 octobre. On fera un point juste avant que je parte aux Utopiales. J'espère que vous voir aux Utopiales, j'espère pouvoir parler un petit peu avec vous, jouer avec vous et tout ça. Ça serait hyper cool. Sur ce, prenez soin de vous. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Team Javras, la mémoire rangée, ce que vous voulez, Richou, Mel, ce que vous voulez. Des bisous, à la plus.